Cette question d'algèbre se compose de 5 sous-questions pour lesquelles on ne demande que la réponse finale. Voici la première sous-question. Aux Jeux olympiques, combien y a-t-il de façons de décerner les médailles d'or, d'argent et de bronze lors de la finale du 100 mètres à laquelle 8 athlètes participent? Nous cherchons bien sûr le nombre d'arrangements de 8 éléments pris 3 à 3, qui se calcule par la factorielle de 8 divisée par la factorielle de 8 moins 3, c'est-à-dire la factorielle de 5. La factorielle de 8, nous l'écrivons sous la forme 8 fois 7 fois 6 fois la factorielle de 5. On s'arrête à la factorielle de 5, parce qu'ainsi, on peut diviser par cette factorielle de 5. Nous obtenons ainsi comme réponse finale 336. Comme réponse à cette question, nous donnons juste la réponse finale, 336. Sous-question 2. Écris le coefficient du terme en x cube y exposant 4 de l'expansion de 2x plus y exposant 7. Le binôme de Newton nous permet d'écrire cette puissance sous forme de cette somme-là. Nous voyons que nous obtenons le terme en x cube y exposant 4 pour j est égal à 3. Donc, le terme en x cube y exposant 4 pour j est égal à 3 s'obtient en remplaçant le j là, là et là par 3. Ainsi, nous obtenons la factorielle de 7 divisée par la factorielle de 3 divisée par la factorielle de 4 fois 2 au cube, c'est 8, fois x au cube, fois y exposant 4. Cette factorielle de 7, nous l'écrivons sous la forme 7 fois 6 fois 5 fois la factorielle de 4. Ainsi, on peut simplifier par cette factorielle de 4. Au dénominateur, nous voyons 3 fois 2, ce qui fait 6. Donc, ces trois facteurs disparaissent. Et il reste à calculer 7 fois 5 fois 8. Et ça donne 280. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est 280. Sous-question 3. Une plante rare double le nombre de fleurs qu'elle produit chaque jour en commençant par une fleur le premier jour. Après 10 jours, combien de fleurs la plante a-t-elle produite au total? Il s'agit bien sûr de 7 suites géométriques dont la raison est égale à 2. Le terme général de cette suite se calcule par cette formule-là. Et la somme des n premiers termes de cette suite se calcule par cette formule-là. Nous cherchons la somme des 10 premiers termes de cette suite, qui se calcule donc par ce quotient-là, qui mène vers 2 exposant 10 moins 1, c'est-à-dire 1024 moins 1, donc 1023. Nous ne retenons que la réponse finale. Sous-question 4. Une paire de dés à 6 faces équilibrées est lancée. Quelle est la probabilité que le premier dé tombe sur une valeur strictement supérieure à celle du deuxième dé? Voici les 36 issues possibles. Les issues vérifiant la condition, ce sont 16 issues en magenta. Et en tout, il y en a 15. Donc, la probabilité demandée, c'est le nombre de cas favorables 15 divisé par le nombre de cas possibles 36, c'est-à-dire 5 douzièmes. Nous ne retenons que cette réponse finale 5 douzièmes. Cinquième et dernière sous-question. Soit l'équation du deuxième degré x au carré plus m plus 1 fois x
moins m au carré plus 1 est égal à 0, où l'inconnu x et le paramètre m sont réels. Pour quelle valeur de m cette équation admet-elle deux solutions réelles distinctes? Nous avons donc cette équation paramétrique du deuxième degré, où l'inconnu et le paramètre sont des nombres réels. Il existe deux solutions différentes pour cette équation-là, si et seulement si le discriminant ou le réalisant est strictement positif. Le delta s'obtient par b au carré moins 4 fois a fois c. Donc il faut que cette différence-là soit strictement positive, ce qui mène vite vers cette inéquation du deuxième degré que voilà. Pour résoudre cette inéquation, nous résolvons d'abord l'équation correspondante. Cette équation a deux solutions en m, à savoir moins 1 et 3 cinquièmes. Pour finalement résoudre l'inéquation, nous rédigeons un tableau de signes pour ce trinôme en tenant compte de ces deux valeurs particulières pour m. Si m vaut moins 1, ce trinôme s'annule, donc là on indique 0, et la même chose pour 3 cinquièmes. À l'extérieur de ces deux zéros, nous indiquons le signe du coefficient de m au carré, donc le signe du 5, c'est-à-dire plus, et entre les deux zéros, le signe opposé. Il faut que ce trinôme soit strictement positif. C'est le cas là et là. Donc il faut que le m appartienne à l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 1 exclu, uni à l'intervalle de 3 cinquièmes exclu jusqu'à plus l'infini, donc comme ceci. Et ici aussi, nous ne retenons que cette réponse finale.